Salut à tous, je suis Yves Fégé, ravi de vous retrouver sur Music Classroom, la chaîne de formation musicale gratuite, quel que soit votre niveau, l'instrument ou le style de musique que vous pratiquez. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question récurrente que l'on me pose très souvent, c'est quelle est la bonne méthode pour maîtriser le piano jazz? Eh bien, dans ce tutoriel aujourd'hui, je vais donc vous montrer la bonne méthode pour y parvenir, étape par étape, et maîtriser ainsi l'accompagnement et l'improvisation piano jazz. Si vous voulez travailler ce sujet en profondeur, dans le détail, je vous recommande ce DVD de 2 heures qui va vous donner non seulement toutes les bases du piano jazz, mais également aller vers des notions beaucoup plus avancées. Si tous ces sujets de l'improvisation du jazz autour du piano vous intéressent, je vous recommande de vous abonner à la chaîne, c'est entièrement gratuit, et en activant la petite cloche, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos et tutoriels que je mets en ligne chaque semaine. Je vous invite également à nos sessions live où une fois par semaine, vous pouvez venir suivre un cours et me poser toutes vos questions musicales en direct. Voilà, si vous êtes d'accord, on peut y aller tout de suite, juste après ça. Première étape, la première des choses à maîtriser, ce sont les intervalles. Les intervalles, ce sont des distances entre deux notes. Ils sont très importants. Pourquoi? Parce qu'ils composent absolument toutes les mélodies, les thèmes, mais également les improvisations et tous vos accords. Donc, si vous voulez construire vos accords dans toutes les tonalités ou travailler vos gammes et vos modes, vous devez connaître ces intervalles absolument. Alors un intervalle, c'est d'abord un nom que l'on donne par rapport à la taille de cet intervalle, plus ou moins grand. Et bien sûr, vous le savez, chaque intervalle est composé de tons et de demi-tons. Le nom, c'est seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave, et au-dessus de l'octave, neuvième, dixième, onzième, etc. Mais les intervalles, c'est également une qualité. Ils peuvent être majeurs, mineurs, mais également justes, diminués ou augmentés. Par exemple, une tierce majeure do mi. Mineur, c'est donc plus petit, do mi bémol. Si on descend au-dessous de mineur, on a un intervalle diminué mi double bémol. Il n'est autre que le ré ici, d'accord? Si je reprends la tierce majeure do mi, au-dessus de do mi, eh bien, on a do mi dièse, et là, l'intervalle sera augmenté. Voilà, donc maîtrisez tous vos intervalles, connaissez leur qualité, leur nom, mais également transposez-les donc sur les 12 notes que comprend une octave de do à do ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et en maîtrisant ces intervalles, vous aurez effectivement une clé supplémentaire pour construire toutes vos mélodies, toutes vos impros et évidemment tous vos accords. Seconde étape, eh bien, si vous avez bien maîtrisé tous vos intervalles, vous allez passer maintenant à vos accords qui sont des empilades d'intervalles verticalement placés. Eh bien, on va commencer par les triades. Les triades, ce sont des accords à 3 sons qui sont la base également de tout. Autrement dit, il y a 4 natures d'accords triades à 3 sons, que sont l'accord majeur, je le prends sur Do une fois de plus, Do mi sol, l'accord mineur, Do mi bémol sol avec sa tierce mineure, l'accord diminué, Do mi bémol, Sol bémol, avec sa tierce mineure et sa quinte diminuée. Et l'accord augmenté, avec sa tierce majeure, Do mi, et sa quinte augmentée, Sol dièse, Do mi, Sol dièse. Ces 4 accords, vous devez pouvoir les construire et les transposer donc sur les 12 demi-tons à nouveau que comprend donc la gamme chromatique qui procède par demi-tons. Très important parce que ce sont les bases des accords plus enrichis jazz que l'on verra tout de suite dans l'étape suivante. Si vous maîtrisez l'étape précédente, c'est-à-dire la connaissance des accords à 3 sons triades dans toutes les tonalités, on peut passer maintenant aux accords de septième qui sont la base en fait de l'harmonie jazz et qui sont cette fois-ci à 4 sons. Eh bien, il y en a 6, 6 natures, 6 couleurs différentes que je vais vous donner tout de suite sur Do ici, c'est-à-dire l'accord Do majeur 7, l'accord Do mineur 7, l'accord de septième de dominante, l'accord de septième demi-diminué, l'accord de septième diminué,
Et enfin, l'accord dit de suspension, le sus4. Voilà, ces six accords sont la base du langage jazz. Si vous regardez un standard de jazz, vous verrez qu'on parle en termes de septième, c'est-à-dire d'accords à quatre sons. Même chose que précédemment, vous devez les transposer sur les 12 demi-tons et savoir les construire quelle que soit la tonalité, puisque les standards de jazz comportent toutes les tonalités de ces six accords. Et on passe tout de suite à l'étape suivante. Dans cette quatrième étape, vous êtes censé maintenant maîtriser vos accords à trois sons et à quatre sons, les accords de septième, dans toutes les tonalités. Eh bien, on va parler maintenant d'une technique indispensable à l'accompagnement piano jazz, c'est évidemment le renversement d'accords. Pourquoi ? Parce que le renversement permet de changer de couleur avec un même accord, mais également donc de bouger le moins possible d'un accord à l'autre dans un accompagnement, dans une grille harmonique. Eh bien, on va prendre par exemple un exemple ici. Pour les renversements d'accords, je vais prendre Do majeur 7. Lorsqu'un accord est sous forme de tierce comme ça, on dit qu'il est à l'état fondamental. Puis on permute effectivement la note la plus basse, on va voir ici Mi, Sol, Si, Do. Premier renversement. Et de ce premier renversement, on va passer le Mi à l'octave au-dessus aussi, Sol, Si, Do, Mi. Deuxième renversement, même chose, on passe la note la plus grave, le Sol, au-dessus, on a Si, Do, Mi, Sol. Troisième renversement. Et si donc je passe maintenant de ce troisième renversement, le Si ici, c'est-à-dire la note la plus grave, au-dessus ici, on a l'état fondamental à nouveau. Voilà, vous trouverez dans le DVD que je vous ai recommandé tous les exercices et effectivement la pratique de ces renversements dans le détail. Voilà, donc apprenez à renverser tous vos accords à trois sons, mais également les signatures d'accords que l'on a vues, donc à quatre sons, et ce sera extrêmement utile et indispensable d'ailleurs à tout accompagnement piano jazz. Cinquième étape, maintenant vous avez maîtrisé vos accords à trois, quatre sons et tout le renversement dans toutes les tonalités, et bien la spécificité quand même du jazz et de son harmonie, c'est d'avoir effectivement des accords enrichis. Comment enrichir un accord ? Il y a deux façons, par les altérations et par ce qu'on appelle aussi les extensions. Je vais prendre un exemple très simple, je vais reprendre mon accord Do majeur 7 ici à la base, à l'état fondamental, Do, Mi, Sol, Si. Les altérations, eh bien on va altérer une des notes de l'accord mais sans changer sa nature de l'accord. On ne va pas toucher à la tierce et à la septième qui sont la spécificité, la couleur de l'accord majeur ici, Mi et Si. On va pouvoir par contre altérer ici le Sol, la quinte, avec une quinte augmentée, Sol dièse, et une quinte diminuée, Sol bémol. C'est la première façon d'enrichir les accords. Bien sûr, ces enrichissements par les altérations dépendent évidemment de la nature de l'accord, d'une des six natures de l'accord. Et la deuxième façon d'enrichir un accord, c'est par ses extensions. Ben, vous avez remarqué qu'un accord, c'est 1, 3, 5, 7, Do, Mi, Sol, Si. Si on continue la logique des chiffres impairs, on aura 9 ici, 11 le Fa et 13 le La. Voilà, la 13e, le La, est évidemment l'extension la plus éloignée de Do, la fondamentale, ici. Donc 9, 11, 13 sont les extensions qui permettent évidemment d'enrichir vos accords jazz en les mélangeant avec tous les renversements qu'on a vus tout à l'heure. Donc maîtriser les extensions et les altérations pour enrichir vos accords, c'est maîtriser l'harmonie jazz. Eh bien, sixième étape. Vous maîtrisez vos accords à 3, à 4 sons, leurs renversements, leurs enrichissements avec les altérations et les extensions dans toutes les tonalités. On va maintenant voir qu'il existe d'autres positions de ces accords pour qui vont donner donc des couleurs différentes et donc enrichir vos grilles d'accords et vos accompagnements au piano jazz. Et vous avez vu jusqu'ici, on a travaillé sur des accords en tierces successives à l'état fondamental comme Do, Mi, Sol, Si, ici Do majeur 7. On a vu qu'il y avait aussi dans un accord donc à 4 sons de 7e, 3 renversements, donc un état fondamental et 3 renversements. Eh bien, il existe d'autres positions, par exemple ce qu'on appelle les accords en position de quarte. Par exemple, sur un Do majeur. Voilà, avec une couleur un peu plus moderne, un peu plus modale, qui vont contribuer effectivement à enrichir toutes vos grilles. Et puis il existe aussi des positions qu'on appelle en clusters. Ces clusters, ce sont des agrégats de secondes, donc de notes très rapprochées, et qui vont être très très intéressantes à l'oreille, par exemple sur un Do majeur. Voilà,
avec une couleur un peu impressionniste. Les accords en fondamentaux, leur renversement, les positions en quarte, les positions en cluster vont enrichir considérablement vos accompagnements donc au piano jazz. Il faut les connaître dans toutes les positions et surtout dans toutes les tonalités. Eh bien, septième étape. Jusqu'ici, vous êtes censé maîtriser vos accords à 3, à 4 sons, leurs renversements, leurs enrichissements, leurs différentes positions sur le clavier. Eh bien, jusqu'ici, donc, on a parlé en fait de quoi ? D'harmonie jazz, c'est-à-dire d'accompagnement avec tous ces accords qui s'enchaîneront, on le verra, dans l'accompagnement un peu plus loin. Eh bien, à présent, on va s'occuper de la main droite, puisque le jazz est une musique improvisée. On place généralement les improvisations donc à la main droite. Et l'une des bases, évidemment, de l'improvisation, l'un des fondements, ce sont les gammes, les modes, les échelles. Exactement comme un pianiste classique travaille effectivement ses gammes et ses arpèges. Eh bien, ces gammes sont composées en général de modes anciens. Les modes anciens, ce sont des modes antiques, hein, qui portent des noms grecs d'ailleurs, comme le ionien, le dorien, le phrygien, le lydien, le mixolydien, l'aéolien et le locrien, que les jazzmen utilisent donc énormément dans leurs improvisations. Mais il y a aussi d'autres gammes assez spécifiques au jazz, que l'on appelle par exemple la gamme blues, la gamme parton, la gamme pentatonique, les gammes diminuées, les gammes altérées, et même d'autres échelles extra-occidentales que l'on utilise évidemment. Donc tout ça, c'est un outil sur lequel évidemment vous allez construire vos improvisations. Et vous devez donc les travailler de la même façon qu'un pianiste classique travaille ses gammes et ses arpèges, c'est-à-dire à toutes les vitesses, aller, retour sur une, deux, trois, quatre octaves. Par exemple, le dorien, c'est un des modes anciens, je vais le prendre sur Do ici, et puis on va le travailler une octave. Ensuite, on va mettre un métronome et le travailler évidemment à des vitesses plus importantes et puis donc sur plusieurs octaves, par exemple comme ça. Et puis de plus en plus vite. Etc, etc, aller-retour bien sûr. Donc ça, c'est la technique, c'est ce qui va vous permettre d'improviser et à toutes les vitesses et de surtout connaître les échelles qui vont vous servir à construire ensuite des motifs, donc des motifs sur certaines de ces gammes. Voilà, donc je vous recommande de les travailler également. Elles sont toutes répertoriées dans le DVD que je vous propose et vous pourrez donc les retrouver et les travailler individuellement et bien entendu dans toutes les tonalités. Huitième étape. Arrivé à ce point, vous maîtrisez absolument tous vos accords dans toutes les tonalités et toutes vos gammes d'improvisation, donc dans toutes les tonalités également. Eh bien, il est temps de passer à la relation entre les deux. On appelle ça les relations gamme-accords, qui sont évidemment l'une des bases de l'improvisation. Eh bien, la relation gamme-accords, c'est quoi ? C'est simplement savoir dans une grille harmonique, lorsque j'ai un accord à la main gauche, quels sont la ou les gammes ou les échelles ou les modes qui vont fonctionner sur cet accord. Il faut prendre individuellement les signatures d'accords de septième, avec les accords septième majeur, septième mineur, septième de dominante, septième demi-diminuée, septième diminuée, etc. Puisque les gammes seront évidemment à la main droite différentes suivant la nature de votre accord de main gauche. Je vais prendre un exemple comme ça. Si je prends l'accord de Do majeur 7 à nouveau, eh bien je vais jouer une gamme majeure, un ionien. Je sais aussi que ça va fonctionner avec le lydien, le mode de Fa. Eh bien, on aura aussi, par exemple, les gammes pentatoniques majeures qui fonctionneront sur Do. Ou bien encore la gamme, évidemment, chromatique qui, elle, fonctionne sur toute nature d'accord. Voilà, eh bien, ces relations gamme-accords doivent être travaillées sur les six natures d'accords qu'on a vues tout à l'heure et dans toutes les tonalités. Pourquoi toutes les tonalités ? Parce que vous rencontrerez dans les standards de jazz les accords placés dans toutes les tonalités. Si je prends un demi-ton plus haut, Ré bémol majeur, bien même chose, je vais construire mes gammes. Ou le lydien. Avec des couleurs différentes, effectivement. Donc ces relations gamme-accords dont vous trouverez sur le DVD tous les détails, hein,
et comment les travailler surtout, parce qu'il faut toujours une méthode pour travailler donc tous ces éléments, tous ces exercices. Hein. Donc je vous recommande de les travailler sur les 6 natures d'accords et dans les 12 tonalités. Donc voyez l'ampleur évidemment donc du travail qui vous attend. 9e étape. Eh bien jusqu'ici on a parlé d'harmonie, d'accords, de mélodie, de gamme, etc. Mais on a oublié quelque chose d'essentiel dans le jazz, c'est le rythme, puisque ce style de musique est essentiellement rythmique. Alors vous savez, en jazz il y a deux types de rythmes, comme en classique d'ailleurs, il y a d'une part le rythme binaire et le rythme ternaire. Bien, le rythme binaire, c'est lorsque les croches sont régulières, équidistantes, jouées un petit peu comme en classique. Et ça, ce sont les styles latin jazz, par exemple, la bossa nova, la samba, la salsa, le mambo, etc., qui sont des styles binaires, puisque latin jazz, hein, effectivement. Il y a aussi le jazz rock hein, des années 70, avec des fameux donc, musiciens, pianistes comme Chick Corea, Herbie Hancock, Keith Jarrett, etc. Et puis, il y a d'autre part le style ternaire, c'est-à-dire le jazz est essentiellement donc ce qu'on appelle le swing. Alors le swing, c'est ce balancement, hein, ce chaloupement un peu particulier qui fait tant défaut d'ailleurs aux musiciens classiques. Et bien ce swing-là, on peut l'expliquer évidemment théoriquement, c'est-à-dire de façon concrète, mais la meilleure façon, c'est évidemment de le sentir, de le ressentir. Et pour le ressentir, il faut évidemment en écouter beaucoup. C'est une culture à part. Donc dans la musique binaire, j'en reviens au binaire ici, on a par exemple la bossa. Voilà, binaire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Et puis, il y a d'autre part le swing qui est ternaire. Alors le swing, c'est quoi? Ben, c'est ce balancement ternaire qui fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Et si on supprime le 2, on a 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. Quelque chose de très souple, un certain balancement. Hein. Et donc, dans ce swing, on a par exemple... donc en écouter énormément pour pouvoir évidemment le maîtriser. Mais ça n'est pas seulement le swing une question de ternaire, hein, comme on vient de le voir, c'est une question aussi d'accentuation. Vous savez, tous ces accents piqués, ou ces accents donc plus anticipés comme ça, plus attaqués. Donc c'est une question de toucher aussi du clavier de votre instrument, hein, d'accord ? Question de geste également, hein, puisque c'est le geste qui fait le son au piano et sur n'importe quel instrument d'ailleurs. Donc voilà, le rythme est très très important, il est souvent très très syncopé, hein, syncopé à la fois dans les improvisations, mais vous le voyez dans l'accompagnement aussi. Il y a une espèce de swing entre les deux mains, tout ça, donc on va expliquer ce rythme en détail avec le ternaire, les accentuations, le toucher et le phrasé. Le phrasé lié également. Là, je suis lié. Le phrasé détaché. Écoutez-en beaucoup. Ça, c'est un conseil que je donne. Sans écoute, vous ne pouvez pas maîtriser un style. Eh bien, on va passer à l'étape suivante tout de suite. 10e étape. Vous maîtrisez absolument tous vos accords, les gammes, les relations gamme-accords dans toutes les tonalités, mais également la rythmique jazz, binaire, ternaire. Eh bien, on va maintenant aborder donc le concret, c'est-à-dire les deux grands objectifs que sont l'accompagnement et l'improvisation. Et on va commencer tout de suite par l'accompagnement. Eh bien, pour accompagner donc une mélodie jazz, un standard, ou même accompagner une improvisation, hein, lorsque vous improvisez à la main droite, eh bien, il va falloir savoir lire ce qu'on appelle une grille d'accords. Et ces grilles d'accords donc sont symbolisées par des lettres hein, anglo-saxonnes que vous devez absolument connaître, comme le A, B, C, D, E, F, G, c'est-à-dire respectivement La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, et puis les natures d'accords qui sont à la droite de ces lettres et qui vont représenter les 6 natures d'accords de septième qu'on a vues, c'est-à-dire majeur, mineur, dominante, demi-diminué, diminué. Tous ces accords sont représentés par des symboles qu'il faut savoir lire, et évidemment, on a aussi dans les symboles ces extensions, les neuvièmes, les onzièmes, tout ça qui font évidemment la richesse de l'harmonie jazz. Et de cette façon, vous allez pouvoir déchiffrer vos accompagnements, donc déchiffrer vos grilles, vos progressions harmoniques qui vont accompagner tous vos thèmes et vos improvisations. Alors, ces grilles, apprenez-les, apprenez tous vos symboles d'accords pour pouvoir lire n'importe quelle grille dans n'importe quelle tonalité et sur les 6 natures d'accords de septième donc, que l'on a vues tout à l'heure.
Alors l'accompagnement, c'est quoi? C'est une succession d'accords qui forment donc cette grille harmonique. Eh bien, cette succession d'accords, il y en a dans le jazz qui sont stéréotypés, c'est-à-dire qu'on les a tellement utilisés que finalement, ce sont devenus des progressions standards. Il faut les connaître. Par exemple, le blues, si je suis en do hein, ici, il est basé sur le premier, le quatrième et le cinquième degré. Autrement dit, premier, quatrième, cinquième, quatrième et premier degré. Donc il y a des formes de blues un petit peu plus élaborées, évidemment, où on va insérer des accords dans ces trois accords principaux. Il y a encore des grilles comme l'anatole, par exemple. L'anatole, c'est le 1, 6, 2, 5. Si je suis en do majeur, sixième degré ici, deuxième degré, et cinquième degré. L'anatole, même chose, a donné lieu à une multitude de mélodies qui ont été construites, donc évidemment, sur ces grilles d'accords. Donc il faut connaître la plupart de ces grilles d'accords standards qui vont vous permettre même de composer vos propres mélodies sur ces enchaînements d'accords. Donc enchaîner des accords, c'est aussi créer des lignes. Alors les lignes d'accords, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, par l'utilisation des positions d'accords et des renversements d'accords, c'est à la main gauche évidemment, ou à deux mains, hein, si on accompagne à deux mains, lorsqu'on accompagne un chanteur ou un instrumentiste, eh bien c'est de bouger le moins possible d'un accord à l'autre tout en variant les couleurs de ces différentes natures d'accords. Hein. Par exemple, à la main gauche... Vous l'avez remarqué ici, je passe d'un accord à l'autre de façon très très souple, sans trop de mouvement, et ça c'est très utile quand on accompagne évidemment dans des tempi assez rapides. Donc tout ça, ça s'appelle des lignes d'accords, hein. C'est ce qu'on appelle la conduite des voix, the voice leading en anglais. Et cette conduite des voix, évidemment, c'est l'utilisation de ces accords sous toutes leurs positions, qui nous permettent même de jouer toute une grille d'accords, c'est-à-dire toute une progression harmonique d'un standard, dans l'octave, puisque étant donné que l'octave ici comprend les 12 sons de la musique, hein, les 12 demi-tons de la gamme chromatique ici, eh bien on peut accompagner par le jeu de ces positions et de ces renversements toute une grille d'accords uniquement dans cette zone-là ici, en bougeant le moins possible et souvent d'ailleurs en conservant certaines notes communes entre deux accords successifs. Alors je l'ai un peu dit tout à l'heure, on peut évidemment harmoniser donc et accompagner donc un standard ou une improvisation uniquement à la main gauche, comme ça. Mais on peut aussi s'accompagner, hein, soit en chantant, soit accompagner un chanteur, une chanteuse ou un instrumentiste donc à deux mains. Par exemple, ceci. Ce qui fait que dans ce cas-là, évidemment, j'ai mes deux mains de libre pour l'accompagnement uniquement et que je peux enrichir à volonté mes accords en mettant par exemple à la main gauche donc des notes de base, la fondamentale, la tierce, la quinte, et à la main droite donc ces enrichissements dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les altérations et les extensions 9e, 11e, 13e, etc. Donc ça c'est très très intéressant. Il y a même un troisième cas de figure où on peut accompagner effectivement à deux mains avec la mélodie ici au-dessus, d'accord? Par exemple, ceci. Voilà, donc, mélodie au-dessus et accompagnement à deux mains, donc dispatché avec ses extensions, donc aux deux mains. Voilà, donc l'accompagnement est complexe. J'en fais une étude un peu poussée, effectivement, sur le DVD. Je vous le recommande d'ailleurs, puisque ce DVD va vous permettre de commencer vraiment en débutant, hein, avec ce qu'on a vu, les accords, les gammes, etc., et d'aller ensuite vers des notions beaucoup plus complexes. Donc, il est complet, il dure 2 heures, et je vous le recommande absolument si vous voulez vraiment creuser le piano jazz et maîtriser un petit peu toutes ces notions. Mais l'accompagnement aussi peut être enrichi, c'est-à-dire une grille d'accords originale peut être changée, puisqu'en jazz, tout peut être modifié.
et en particulier l'harmonie. Et c'est ce qu'on appelle là la substitution d'accords ou la réharmonisation, c'est-à-dire qu'on va prendre un thème d'origine tel qu'il est à l'origine et on va essayer donc de changer les accords qui vont soutenir ce thème pour changer la couleur du thème, évidemment. Par exemple, si je fais un 2-5-1, qui est une des progressions très très connues dans la musique tonale et le jazz en particulier, on aurait 2, le ré, 5 et 1, do majeur. Eh bien, le 2-5-1 peut être substitué par 2, bémol 2 ici, et 1. Là, vous voyez, le deuxième accord, le sol 7, la dominante a été changée, donc substituée évidemment. Donc je fais un topo un petit peu plus précis hein, dans ce DVD de la substitution d'accords, autrement dit comment réharmoniser une mélodie, comment lui donner évidemment une autre couleur harmonique. Enfin, suivant les époques du jazz, de l'histoire du jazz, qui dure à peu près un siècle, donc qui est très courte, mais très riche hein, en contenu et en musiciens, eh bien il y a différents styles d'accompagnement. Des accompagnements comme les premières formes de jazz, avec le stride, hein, c'est-à-dire le ragtime par exemple, et puis des accompagnements swing par exemple. Et puis d'autres accompagnements, donc en quarte, avec le style jazz rock par exemple. Ça, ce sont des styles différents, il faut les connaître également, donc j'en fais un petit peu un listing ici avec des exemples donc très précis. Voilà, donc je vous recommande effectivement de le voir en détail, tous ces titres que je développe effectivement dans cet ouvrage. Donc voilà, ces styles d'accompagnement vous permettront de jouer évidemment dans des styles différents, donc suivant l'époque du jazz ou suivant votre affinité avec certains styles de jazz et certains musiciens donc en particulier. Alors, 11e étape, eh bien, on va aborder le deuxième objectif principal de ce cours de piano jazz, c'est bien sûr l'improvisation. Bien, le jazz, évidemment, est une musique improvisée, ça sera donc l'essentiel, le but essentiel de savoir improviser sur n'importe quel standard, par exemple. Alors, évidemment, pour improviser, on va revenir à ce qu'on a dit dans l'une des étapes précédentes, c'est-à-dire que l'une des bases, c'est connaître vos relations gamme-accord. Autrement dit, une fois de plus, sur tel accord, quelles sont les gammes et les modes que je peux utiliser, évidemment, à la main droite. Voilà, donc ça, il faut le maîtriser hein, dans toutes les tonalités, on l'a suffisamment dit donc tout à l'heure. Eh bien, l'improvisation est basée aussi, un petit peu comme à la main gauche, sur ce qu'on appelle des lignes mélodiques, qui vont vous permettre, évidemment, en utilisant donc ces gammes et ces modes, de passer d'un accord à l'autre le plus souplement possible. Autrement dit, si j'ai un 2-5-1, hein, ré, sol, do en do majeur, ré mineur ici, je vais commencer une gamme par exemple. Sur le sol 7, je continue ma montée ici avec des échelles de sol 7, ici le mixolydien. Et j'arrive sur do majeur ici, avec un lydien par exemple, une couleur un peu particulière. Voilà, donc l'improvisation, c'est l'art donc d'enchaîner donc une ligne mélodique à la main droite, spontanée, hein, puisque c'est une composition de l'instant, mais toujours en faisant le lien mélodique, effectivement, d'un accord à l'autre, et pour travailler sans interruption. Donc ça, c'est une des bases de l'improvisation avec les relations gamme-accord. Mais il est évident que l'improvisation n'est pas qu'une suite de gammes ou d'arpèges à la main droite, sinon elle serait anonyme et ne correspondrait absolument pas au thème sur lequel on joue. En tout cas, elle serait la même sur tous les thèmes, tous les standards de jazz, ce qui serait vraiment ennuyeux, hein. Donc une improvisation, c'est avant tout essayer de construire des motifs que l'on invente donc sur l'instant, puisqu'il s'agit d'une musique improvisée, mais qui vont effectivement être basés sur ces gammes et ces modes que vous avez travaillés auparavant dans toutes les tonalités. Par exemple, si je prends le 2-5-1 aussi, je vais avoir un petit motif basé évidemment sur ré mineur, par exemple comme ça. Sur le sol 7, on pourrait faire ceci. Et sur le do majeur, ceci. Voilà, vous avez vu, il y a un pattern ici, un motif donc que j'ai inventé, mais que j'ai construit évidemment sur ré mineur. J'ai utilisé un dorien.
Sur le sol 7, eh bien, j'ai utilisé un mixolydien sol. Et sur le do majeur, j'ai utilisé ici, par exemple, un ionien, hein, la gamme de do majeur. Voilà, mais j'ai construit donc ces motifs sur ces trois gammes et je l'ai donc transposé à chaque fois à une autre hauteur, toujours sur les touches blanches ici du piano, pour rester dans l'accord. C'est ça le pattern, c'est le développement motivique, hein, qu'on appelle en jazz, qui vous permet évidemment de construire donc des motifs. Ce sont de véritables petits fragments de thèmes qui nous permettent de développer une improvisation en les transposant comme ça à plusieurs hauteurs. Donc les patterns sont très importants. Ce sont de véritables petits thèmes qui vont évidemment se transposer comme ça à plusieurs hauteurs, se développer donc pour construire une véritable improvisation. Sachant évidemment qu'il y a aussi dans les improvisations donc des motifs de gamme et d'arpège, bien entendu. Ça sera donc un mélange de tout cela. Alors vous l'avez vu, ici donc j'ai construit un petit motif mais sur touche blanche du piano, c'est-à-dire qui rentre vraiment dans l'accord, qui sont toujours en détente avec l'accord puisque ce sont les notes blanches ici du piano qui correspondent à mes trois accords ici que j'ai construits également sur les touches blanches en do majeur. Hein. Mais évidemment, dans l'improvisation, on ajoute ce qu'on appelle également donc des ornements, des ornementations, donc des notes étrangères hein, finalement à l'accord donc du moment ici. Par exemple, au lieu de faire... Je pourrais faire... Voilà, là j'ai orné, hein, c'est une petite ornementation évidemment de la mélodie qui va apporter de la tension un peu parce que j'ai utilisé des touches noires ici qui ne font pas partie évidemment de mes trois accords. Ça c'est donc l'ornementation mélodique et qui utilise, comme en musique classique, dans l'harmonie classique, évidemment ces notes qu'on dit notes étrangères à l'harmonie. Les notes de passage, les broderies, les appoggiatures, les échappées, les anticipations, etc. Donc le jazz utilise de la même façon toutes ces ornementations pour enrichir évidemment vos improvisations. Et bien de la même façon qu'on va ornementer une ligne mélodique dans ces improvisations, on va aussi varier la rythmique de ces improvisations. Lorsqu'il s'agit par exemple d'un swing, donc d'un rythme plus ternaire, eh bien on va aussi avoir des variations rythmiques. Par exemple, ce même petit motif que j'avais fait tout à l'heure. Sur le sol 7, on va le transposer donc sur une autre hauteur, comme ça par exemple. Voilà, mais on va peut-être aussi le modifier rythmiquement, par exemple comme ça. Et puis la troisième fois, sur mon do majeur, le premier degré ici, je vais encore le transformer rythmiquement. Voilà, c'est-à-dire que le même motif est transposé trois fois sur mes trois accords, mais en même temps, j'ai apporté des variations rythmiques. Donc, variations mélodiques avec les ornementations, variations aussi rythmiques. Tout cela fait évidemment la richesse indispensable à développer donc des improvisations intéressantes et équilibrées. Ensuite, il existe, comme pour les types d'accompagnement, il existe des styles d'improvisation suivant les époques. On n'improvise pas sur les ragtime dans les années 1900-1920 de la même façon qu'on improvise dans le bebop dans les années 40 ou aujourd'hui donc dans notre époque contemporaine. Ces styles d'improvisation sont différents également suivant les époques. Donc je les ai développés hein, dans ce DVD, vous pourrez les consulter et jouer un petit peu ces différents styles d'improvisation et de tournure mélodique à la main droite justement pour improviser. Enfin, il existe des techniques cette fois-ci pianistiques, c'est-à-dire propres au piano que l'on retrouve en général de façon un peu stéréotypée, donc dans l'improvisation jazz. Il s'agit par exemple des accords arpégés. Il s'agit aussi par exemple des trémolos par exemple. On peut trouver aussi ce qu'on appelle des doubles notes, hein, c'est-à-dire des notes qui sont frappées en même temps comme ça, qui donnent une couleur effectivement un peu blues. Il y a d'autres techniques comme les notes répétées 2 à 2 par exemple, comme ça. On a encore les accords à deux mains, par exemple, qu'on trouve comme ça.
Ou encore les improvisations en octave comme ça. Voilà, donc toutes ces techniques, il faut les développer puisqu'elles sont propres au jazz, elles sont presque stéréotypées, je le disais. La plupart des pianistes de jazz les utilisent évidemment dans leurs improvisations et leurs accompagnements, bien sûr. Ce DVD va vous renseigner évidemment plus en profondeur. Il comprend également des exercices, je vous conseille effectivement de les faire et de les travailler donc quotidiennement. Le piano jazz, ça n'est pas une question évidemment de jours ou de semaines, mais bien de mois et d'années. J'ai voulu dans ce tutoriel vous donner effectivement donc la marche à suivre, hein, la bonne méthode pour maîtriser non seulement les bases, mais aller de plus en plus loin vers des notions plus avancées, donc du piano jazz, de l'accompagnement et de l'improvisation qui sont les deux objectifs de ce cours. J'espère que cette vidéo vous aura montré clairement la démarche, la marche à suivre, étape par étape, progressivement, pour maîtriser le style piano jazz. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air. Si vous débutez le piano jazz, je vous recommande ce DVD de 2 heures qui va vous donner, d'un niveau débutant à avancé, toutes les bases essentielles donc de ce style de musique au piano. Vous recherchez des formations complètes, des exercices, solutions ou cours en direct avec moi-même sur Internet, je vous recommande cette petite carte qui va s'afficher d'ici un instant. Vous êtes passionné de jazz, d'improvisation au piano, je vous recommande également cette playlist sur cette même chaîne qui, à l'aide de nombreuses vidéos, va vous donner les filons, les bases de ce style de musique. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les placer dans les commentaires de la vidéo, j'y réponds toujours régulièrement. Si tous ces sujets autour du piano vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit et en activant cette petite cloche, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos et tutoriels que je mets en ligne chaque semaine. Je vous invite également à nos sessions live où, une fois par semaine, vous pouvez venir suivre un cours et me poser toutes vos questions musicales en direct. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très vite sur la chaîne Music Classroom. Salut !